Je m'appelle Philippe Koulibaly et je suis la responsable des opérations à AgroBiotech, une entreprise qui est spécialisée dans la production de semences améliorées. Donc c'est une nouvelle technologie que nous avons amenée au Mali, donc la production de semences par une méthode de la biotechnologie qu'on appelle la micropropagation ou la culture in vitro. En fait, nous essayons de recréer l'environnement extérieur dans le laboratoire. Toutes les plantes qui sont multipliées dans le laboratoire sont exemptes de toute maladie et de virus connus. Donc les plantes sont transmises aux champs sans aucune maladie. Et en plus de cela, c'est la seule technologie qui permet de produire des centaines de milliers de plantes en un temps record de 7 mois. Nous sommes le premier laboratoire commercial à faire ce travail dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Le marché ne se limite pas à la sous-région, c'est vraiment un marché très vaste, très étendu. Moi, c'est Soumaïla Samake. Je suis technicien supérieur agronome. Je suis gestionnaire dans la ferme agricole à Tienfala. Nous produisons les fruits et les légumes. Nous avons des employés au nombre de 8 personnes et moi, Soumaïla, qui complète à 9 personnes. Les plants agro-biotech, les vitroplants, la récolte est beaucoup plus élevée, 5 fois qu'aux variétés locales. Voilà, donc nous sommes convaincus que nous pouvons les satisfaire un grand nombre de clients à travers une petite parcelle avec la variété. Au marché, c'est une variété beaucoup appréciée par les clients. L'un des différences, c'est la résistance de la variété aux conditions climatiques, surtout quand il y a la forte pluie, la forte vent. Il est résistant au vent, voilà, il est résistant aux maladies aussi. Nous sommes quand même focus sur certaines cultures qui sont adéquates pour le Sahel, notamment le manioc. Donc le manioc, c'est la seule culture qui est capable de traverser toute une saison sèche sans être arrosée. Et nous avons presque une douzaine de variétés de manioc qui sont tous adaptées au changement climatique, qui sont tous adaptées à cette zone du Sahel et qui ont aussi plusieurs caractéristiques de transformation qui font qu'il y a la variabilité, il y a la diversité alimentaire. Un autre atout de cette micropropagation, puisque nous parlions de biodiversité, c'est le fait que la technologie permet de régénérer les variétés. Ce sont des variétés endémiques des différents pays. Et lorsque ces variétés sont en disparition, cette technologie permet de les régénérer et de les maintenir. Nous essayons vraiment de participer à tout ce qui peut aider dans le sens du changement climatique. Je fais de l'agro-business est le moteur de développement dans les métiers de l'agriculture. Puisque nous donnons des semences de qualité, nous voulons passer à l'échelle et avoir vraiment un impact plus élevé et atteindre le maximum de producteurs que possible.